tous et toutes, c'est Kenshin de la Cake Channel, en compagnie de Xelouki. Bonsoir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 4, Black Flag, si je ne me trompe pas. Donc c'est le tout début du jeu, on n'est pas là, enfin on est là un peu en mode découverte. Où est-ce qu'on doit aller? Zone interdite. Et ben, trouver le moyen de gagner la vanne. Voilà. Ah, voilà, tu suis l'objectif. Voilà. Et donc c'est une vidéo sur PS4, est-ce qu'on saute là-dedans? Tu penses qu'on peut? Voilà! Imagine, ouais, mais imagine, c'est t'as ta pied et tout, tu fais. D'accord, c'est petit. Et tu vas voir, on a bientôt coupé, voilà. L'autre devait être très profond. Ah, et des méchants là-bas, là. Je vois ça sur un mignon. Et c'est très découverte, hein. C'est la première fois que je joue à ce jeu-là. Et une des premières fois. Ouais, moi, je l'ai fini à 100% avec le trophée platine. Voilà, donc tu veux peut-être jouer à l'autre place, non? Non, vas-y, je t'en prie. Enfin, toi, comme tu veux. Comment on fait maintenant? J'aurais dû sauter là-dedans, mais c'est pas grave. Oui, voilà. Dans quoi? Bah dans là où tu es, il y a un truc qui tourne de foin. Il fait quoi là? Bah il voit. Elle te fait quoi? Siffler, ça fait quoi? Par contre, hein. C'est quoi en rue? Sans con. Comment? Non, c'est la pierre. Par contre, ouais. Vas-y, le pire. Pourquoi il tire dans le vide? Là, on va faire quoi? Par contre, sans con. Prenez tout ce que vous voudrez. Parce que le mec, t'as vu arriver et il a dit: putain, je vais le niquer. T'as vu ce qu'il y a dans la plaque, il cherchait pas de lui. Non, attention, à droite, t'as rentré. Donc là, tu es là, il t'oublie après? Non. Là, il t'oublie plus là? Là, il t'oublie plus? Tu dois niquer du monde. Là, je dois faire du corps à corps là? Ouais, t'es réveillé. Comment on fait pour contrer déjà? Et où, à quel moment? Voilà, c'est là. C'est bon, je l'ai contré là? Quand il y a le point d'interrogation? Ah, mais là, j'ai plus cher. Je suis mort? Là, t'es mort. Ok, ça s'est bien passé la vidéo, les gars! C'était bien! Non, attends, je vais m'entraîner, j'aurais rien compris. Tu vas faire perdre des abonnés. Mais je vais nous faire perdre des abonnés. Donc là, normalement, c'est de la très bonne qualité, du 1080p. Ouais, alors, je sais pas si ça donne 1080p sur YouTube ou pas. Hein. Ouais, ouais, non, mais. Parfaitement l'affaire. Oui. T'es sûr qu'on doit aller dans la zone interdite? Faut que tu fous ta. Oui, de toute façon, faut que tu sauves le marchand, etc. Tout le truc ici. Tu peux sauter directement en haut, là. Là où il y a les trous. Tout dans le truc. D'accord, parfait. Ça se suspendre ou non, sauter? Non, ça vise automatiquement. D'accord, donc le mec vient pas de me voir tomber. Non. D'accord, parfait. Par contre, ouais, si tu restes dans les herbes, pas forcément dans le plateforme, mais dans les herbes, ils te verront pas. Comme un Pokémon, tu restes dans les hautes herbes. Attention, lui me regarde plus. Et lui non plus. Non, attends, j'attends que le mec là-bas aussi. Non, mais attends, oui, il te parle des zones d'attaque, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux aller du côté de l'attaque. Là, il ne veut plus. Et c'est fini. Voilà, donc, attention. Tu vois, il est à droite, il voit à gauche. Il doit faire quoi là? Ouais, tu restes. Mais pourquoi il me voit lui? Parce que lui, c'est un sniper. C'est vrai, mais comment on va faire? Dès qu'il arrive, tu lui sors carré. Carré? Lorsqu'il est prêt. S'il arrive, vers toi. Tu vas le remettre dans le buisson et tu vas le tuer, ça? Ouais, mais autrement, tu peux juste aller dans les autres herbes et puis appuyer sur carré parce que t'es en face de lui. Fait comme ça? Ouais, comme ça, enfin, c'est loin, mais t'es un peu. Là, t'es toujours invisible. Ah oui, là, je suis invisible. Ouais, là, t'es invisible. D'accord. T'es dans les autres herbes, t'es invisible. D'accord, je suis invisible. Là, t'es toujours invisible. Attention, regarde, toi, ton personnage est noir. Là si je peux le tuer? Ouais, là, t'appuies sur carré parce que carré. Parfait. Parce que personne t'a vu? Personne m'a vu. Ça existe pas. Bon, je peux pas, ça existe pas. Voilà, là personne me voit. Là regarde, tu vois là? Personne ouais, me voit. Personne me voit. C'est pour faciliter le gameplay, en même temps c'est compréhensible. Compréhensible. Compréhensible, c'est genre. Je te comprends. Oui, je comprends. Ah, pourquoi t'es fait un truc? Pourquoi? Parce que le mec a égalé. Voilà. T'as dit qu'on était cool après? C'est pas faux. J'essaie de niquer le sniper d'abord. C'est passé quoi? Ah, t'as un peu sur Facebook sur la vision de la gueule. C'était bien ça? Ça sert à rien si la vision d'ex pour voir les tu vois pas. Mais ce jeu est beaucoup trop facile, les gars, purée. C'est mec. T'es mortel. Mais non, mais je suis pas mort tout à l'heure, c'est faux. Ouais, c'est ça. Le ciel soit loué, monsieur. Vous m'avez sauvé. Tous mes remerciements. Ok, c'est cool, t'as pas de la thune? C'est mon navire, oui. Mais. Le navire, entendu. Voici son malheureux capitaine. Et je ne connais rien à la navigation. Le piloterai moi-même, ne t'en fais pas. Ah, il te. Ah, il te le prête quoi. Il peut fuir à son bord, vite. Duncan. Quel est ton nom, mon ami? Il s'appelle Duncan. Steve Bonnet. Non, c'est bien, monsieur Bonnet. Il a pris l'identité. Ceci reste entre nous. D'accord. Mais je suis en mission secrète pour sa majesté. Dieu veille sur lui. Et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ah, vous me voyez soulagé, monsieur. La Havane est aussi ma destination. Nos destins nous réunissent. C'est la chance, mon ami. Oh, vous me rassurez, monsieur. Quand je vous ai aperçu, j'ai bien cru avoir affaire à un pirate.
Ah ouais ? Oui. Et juridiquement, c'est un pirate, c'est très rigolo. Ouais. Rapide et aisé, si je puis me T'as compris la blague ? Oui. T'as compris ? Mais, tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas ? Allez, là, belle tête de winner. Ouais, oui. Bon, alors là, on doit aller au navire à la nage. Oui, voilà. Si vous avez pas compris, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était sur un bateau. On a été bousculé par un autre bateau, tac, il y a un assassin qui est venu. En fait, on s'est réchoué sur une île, on a tué l'assassin parce qu'il a voulu nous défoncer. Et on a récupéré ses vêtements et on se passait en fait pour l'assassin qu'on a tué. Voilà, ça c'est le début en fait. Hein. Et donc là, on est arrivé ici. On est arrivé là où vous étiez. Là où on est commencé. Voilà. Ouais, voilà. On a pris donc les vêtements, l'identité, les vêtements, tout. Il faut que tu ailles là-bas. On a tout piqué. Bon, c'est un petit bateau de mer, mais rien à voir avec le bateau que tu vas avoir après. Quoique, il pense. YOLO, j'aime bien faire ça, c'est ça. Hein. Ouais, absolument. Hein. Voilà, parfait. Inutile. C'était stylé, on a perdu du temps. Voilà. Allez, mais. Tu peux y arriver. Voilà. Et là, on doit faire quoi ? Bienvenue à bord. Accélérer. Ce n'est qu'un modeste chemin, mais il faut que tu aies un grand puissant voyage de marchandises. Je crois, là. Encore un. Beau navire. Tu laisses pas plier, c'est pas ça que c'est plier. Il faut mieux d'envoyer toute la toile, non ? Tac, ça. Et dans un moment, tu as même une troisième accélération. C'est de croisade, c'est voile de croisade. Ça va plus vite ? Tu vois le. Ouais, un petit peu plus vite, tu vois le. Mais là, tu peux pas faire ça. Tu vois le bateau dans la troisième personne. En gros, c'est automatique. Hein. J'aime ta manière de voir les choses, Bonnet. Non, c'est quoi, ça conduit pas automatiquement quand tu mets croisade ? Non, c'est de te conduire quand même, c'est juste que ça coûte. Je pense pas faire discussion sur ce truc. On peut continuer, on peut commenter. De toute façon, c'est vraiment pour le scénario. C'est pas vraiment pour le scénario qu'on fait ça, c'est juste pour expliquer un petit peu. C'est du sable là ? Ouais, ça a l'air. Ouais, c'est du sable. Le jeu est beau, hein. Ah, de toute façon, le jeu mais est sur PS4. C'est pas de la PS4 là, c'est du. C'est de la fin de vie de PS3. Mais C'est. Voilà, c'est ça. Mais c'est sur PS4 qu'on fait la vidéo. Oui, c'est parce que bon, c'est normal en tant que général, mais bon. Le Unity a l'air beaucoup plus beau, de toute façon. Celui-là. Merci. Bon, on n'a pas trop à en faire, attention. Ah oui, toi aussi. Moi j'utilise des techniques comme ça et tout, lorsque je tournais bien comme il faut, tac, je ralentis un peu parce que pour tourner lorsque c'est en pleine voile, c'est trop chaud. Je dois faire quoi là ? Je dois refaire le tour ? Quitter la baie, tu suis le point vert. Ouais, ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, mais voilà, c'est impeccable. Là, c'est bon, j'ai accéléré. D'accord. Bon, ça va, ça se manie pas trop mal. Ouais, ça va. Vous avez un bateau après dans pas longtemps, c'est. Enfin, dans pas longtemps. Vous aurez un bateau dans pas longtemps. Putain, je sais même pas si c'est dans pas longtemps. Pas. Ah il, s'appelle... il arrivera par les Français avant la fin de la vidéo. Ouais, j'avoue. C'est un Jacques d'eau, il s'appelle le Jacques d'eau en fait, c'est le bateau que vous aurez pendant tout le long de votre. What the fuck is that? C'est way. Ouais, durant tout le long de votre périple. Hein. Et puis, c'est un bateau que vous pourrez vous-même modifier. Vous direz la boum là-bas. La boum? Vous direz que ça fait de la boum là-bas. Ah. La ok, boune. Non, c'est du clipping. Non, c'est une boune. Donc, tu sais quel bateau on aura ? Le Jacques d'eau. C'est Jacques d'eau. Le Jacques d'eau. Jacques d'eau. Faire mes preuves à la Jacques. Jacques d'eau. Durant deux ans, parmi les corsaires. C'est comme. Jacques Sparrow. Mais d'eau. Respire l'aventure, mon ami. Mais non. C'est con. C'est parce qu'en fait, il y a un oiseau qui l'aimait bien, donc quand il était petit. J'ai vu mon lot de choses étranges. La musique est jolie. Oui, il y en a plusieurs, mais musique aussi. He is a pirate. Non, il y est pas, c'est pas. Ouais, t'as pas terminé la première séquence là. On est sur la bonne voie. Je pense. On est sur la bonne voie. Attends. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous avez besoin de trouver. C'est la synchronisation. Et ça sert à quoi là ? Hein ? Juste à courir comme un gros casseau ça ? Ouais, là c'est juste un truc de d'accord. Chargement. D'accord. Ah, les gars, je sais un truc de chargement ça ? Ouais. Moi je cours. Ah, je cours. Okay. Je cours tous les jours. Voilà, ça y est. C'est très bien. Ah, d'abord je fais rose, moi j'aime bien. Oui. Waouh, t'as fait du bon travail. Voilà. Et là vous vous réveillez en fait, parce que pour le coup, parce que l'assassin en fait c'est un. Vous n'êtes pas l'assassin vous-même en fait. Vous revivez juste les aventures de vos ancêtres. Et en fait vous êtes en 21e siècle. Comme dans les autres ? Ouais, exactement comme dans les autres. D'accord, donc là qu'est-ce que je dois faire ? Je sais pas. Et tu dis quoi ? Vas-y, regarde à droite. Je sais pas, regarde à droite. Regarde en haut. Ah voilà. C'est bon. En bas ? En bas. Bon, tout est ok. Tu peux te lever. Mais couillonne. Pourquoi m'a mis des néons ? Voilà.
Bienvenue au projet Échantillon 17. Pour faire l'inversement de la caméra. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Au droit. Et voilà. Testing, testing, 1, 2, 3, salut, bonjour, c'est bon ? Ça marche ? D'accord, donc là on est vraiment dans un endroit on fait la visite. Classe. Dans ton dossier, tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques, mais pas tant que ça, d'accord. Ce qui est surprenant. En tout cas, tu sais que c'est que du virtuel. Les flux de données sont très stables. C'est que du virtuel. C'est-à-dire de quoi tu parles ? Ce qu'on fait dans le jeu. Ça c'est la vraie vie, ça. Oui, mais tout ce qui est assassin, c'est que du virtuel. Exactement. C'est du virtuel. C'est pas ça. Donc on refait ça, on refait rien en fait. Enfin, on revit dans la vie. Le studio Atterbo Entertainment a été créé bien avant ça. En 2010. Quoi ton problème maintenant? En fait, t'as un problème d'où tu la regardes? D'où tu la regardes? Casse-toi, c'est putain. Ta gueule! C'est beaucoup plus compliqué en fait que ça, parce que Nero Dupin m'avait envoyé un lien. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une histoire de dieu, tout comme ça, d'Adam et Ève, etc. Il y a la pomme d'Adam, il y a tout le bordel. C'est très très compliqué. Mais je connais pas forcément tous les détails. La série Assassin's Creed est très très compliquée. Ouais, bah elle est en plusieurs épisodes. Elle est très longue. Ouais, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une série d'épisodes là où tu vas juste dans enfin, une histoire propre. C'est une histoire. Notre premier long métrage virtuel. Et basé les sur. Tous les Assassin's Creed est basé sur une histoire en fait. Une histoire commune quelque part. Ça va prendre une minute, ok? Je te remercie, Nancy. Elle, la fille avec qui je me bien, c'est elle était dans Brotherhood. Elle est marchée ou quoi? Elle est partie après, elle a rechangé en mode normal. Tout est prêt. Il y a des gens de Brotherhood en fait que tu verras encore là-dedans. D'accord. Il y a des maisons où tu verras forcément la connaître. Parce qu'en fait, le plus important de tous nos gadgets. C'est vraiment découverte, c'est entre le mec qui s'y connaît dans Assassin's Creed qui a fait le jeu. Allume-le, et le mec qui ne connaît rien. Donc ça permet peut-être aux gens d'avoir un petit point de vue différent. C'est comme avec Néophyte hier lorsqu'on a fait la vidéo. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est plutôt intéressant. De Destiny. T'as peut-être remarqué que la sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Mes fichiers. Ça, c'est ça, c'est les fichiers. Ça passe pendant ça. On s'en fout en fait. Oui, on en a branlé. Pour l'instant, oui, mais après, c'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Et là, on peut l'enlever ce truc de merde là en bas à gauche? Je sais plus. Bah, apparemment, non. Je sais plus, bon, ça sert à rien, c'est juste pour dire où est-ce que je dois aller, donc bon, c'est plutôt positif en fait. T'as le moins doute là où je dois aller? Ouais, je dois juste suivre la meuf. Ouais, en fait. Chope la fille, chope la fille! Ah, rond. Niveau 2, apparemment. Je sais pas. Attends que la meuf sort. Quand le signal wireless clignote, c'est que t'es connecté à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. Bah dépêche-toi. On va au studio de l'échantillon 17. Bah alors, qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu me fais fermer? Voilà. C'est ça s'est bien passé, connasse. Ce mec. Bon, courage. Bon, pendant qu'on est à l'ascenseur, t'as un petit copain. Qu'est-ce que tu bêtes? Est-ce que t'as bite? Un grade. Oh. Ah, je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. On a qui sont dans le mode de jeu vidéo. Tu connais notre nouvelle recrue? C'est son premier jour. Ça, hein. Eh bien, bonjour, tu bosses sur quel projet? L'échantillon. Oh, ça va, pas du tout. Sur Etam, Connor. Edward, le pirate. Ah, déjà, sa tête veut pas du tout que sa tête. C'est super, bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire? Pourquoi on peut parler? Bien sûr, donne-moi le temps de l'installer. On est mieux. Dans 5 parfait. À chaque fois, on a envie de me poser une question, c'est l'autre qui répond ou alors on répond pas. D'accord, bah c'est comme dans tous les jeux en fait. Enfin, on répond pas, disons. De l'échantillon 17. Disons qu'en fait, lui, il répond pour nous. Mémoires génétiques d'un très généreux donateur. Desmond Miles, on extrait toutes les merveilles de son ADN. Vous avez des belles coupes. Ah oui. Eh mais putain, il dit Murphy. Putain, mais la tête qu'elle a. Oh là. C'est bon, je m'en vais, j'ai vu le musée des horreurs. J'ai vu des aliens. Ah, que t'as toi. Voilà. Les jambes sont à John, notre... Il est mort. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'ai Talon. Il est Talon, pardon. Il y a Talon dans le jeu. Et nous y voilà. Talon, tu veux dire. Ton poste de travail, ton anus. À la tête, c'est ton anus pour pouvoir aller rejoindre tes potes. Alors mets-toi à l'aise et... Ah, j'ai une petite figurine. Ouais, tu vas en avoir plus, on peut dire, au fur et à mesure des... Ah, c'est classe. L'anus est rempli de tutoriels très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Ah, il y a un flash QR. À tout moment, tu peux sortir, tu peux rentrer dans l'animus. D'accord. À tout moment, tu peux retourner dans l'animus. Voilà, ça, c'est est-ce qu'on le fait du coup? Ah, comme tu veux. On va essayer de voir vite Zef. 14. Ah, quoi, 14. Ouais. Bon, on va regarder vite Zef ce que ça donne et puis on va ce que c'est là, je pense. Voilà. C'est vraiment une vidéo de découverte freestyle. Hein. Comme d'hab, hein. Toi-même, tu sais, toi-même, tu connais. Et puis je ferai peut-être un let's play dessus. Voilà, on va faire quelques vidéos plus construites. Il y a déjà celle de Disney qui est sortie, qui va être pas mal. Après, il y a mon épisode de Crash Bandicoot. En fait, faire une vidéo sur le. Ça, c'est de la merde.
Ouais, d'accord. Non, c'est mec. Non, je rigole. Ça, carrément, écoute, on est de l'épisode final du carrément, écoute 2. Ah oui, pour le 2. Oui. C'est plutôt rigolo d'ailleurs. On était tous les deux en plus, donc c'est cool. Il y a aussi W2K14. W2K15. C'est Et W2K14 qui va sortir. Hein? Non, mais pourquoi tu me parles de W2K14? Parce que j'ai fait une vidéo avec. Avec. Irisium. Irisium. Anciennement Alduin. Voilà. Alduin. Pas mal, la merde. Ouais, joli. Joli. Oui, j'aime pas. Bravo, super blague, c'est pas une blague, c'est pas drôle. Le bug dirait, arrête. Moi, c'est Irisium. Ah, il faut qu'il arrête aussi. D'accord, bah là c'est pas mal, je trouve, pour être un niveau de. Là, tu vois, je pourrais mettre start et tout, ça peut être classe. Ouais, ça en fait, tu vas prendre voilà. Pour le problème. Voilà, voilà, parfait. Attends, tu crois que moi j'ai dû couper une vidéo pour prendre une vignette, t'es ouf, je vais demander à ton boulot. Non, non, c'est moi trop de. Ouais, ouais. Oh le mec, ouais, c'est ça, c'est il pas prend une photo et puis ouais, il ouais, arrête, c'est bon. Je suis pas prêt d'oublier. La Havane. Cuba. Cuba. Ouais, mais je vais dire. Connais quelqu'un ici? Ah, c'est la même. Même quoi, c'est le même assassin. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau conçu pour un pirate. Ah, c'est toujours le même. D'accord. Bah, comme tous les assassins, en fait, je vous ai dit. C'est toujours le même assassin. D'accord. C'est Edward, c'est Edward, c'est tout. Et par contre, pour coup, lui, il parle. Il parle même un peu trop. Oui, lui, il parle. Oui. Mais lui, c'est parce que c'est la troisième personne, je pense qu'il veut. C'est très beau et j'aime beaucoup. Voilà. Bon, c'est moins beau que le Unity, mais. Mais voilà, voilà, on attend forcément le Unity avec beaucoup d'impatience. Ah bah, le Unity, c'est normal, c'est le premier réellement sur PS4. Lui, c'est un petit peu fin de vie de la PS3 aussi. Et aujourd'hui, bon. Je commence avec voilà. Les Espagnols, comme vous êtes de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan? Non, c'est rien. Rien d'important. Il s'appelle Duncan Wolfe. Tu connais le coin pour se reposer, je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois me rendre dans. Une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous en conduire. Bon, allons-y. Il a un peu un but de lui-même. J'espère un petit côté, je m'en la pète. Bon, alors, on s'arrête là ou pas? Bon, comme tu veux. En fait, tout ce que je peux dire, c'est que oui, vous avez des trucs à ramasser ou des partitions, comme vous pouvez voir en bas et dans la carte. En haut maintenant, pour vous. Voilà, vous avez des partitions à ramasser pour. Ça, c'est pour votre équipage, pour pouvoir chanter en fait. Avec vous, vous avez des boutiques. Oui, chanter quand vous êtes en bateau. Tu peux chanter en fait. Le petit truc bleu là? Non, le, je t'ai dit, c'est à droite, c'est la partition. Ah, la petite note de musique. La petite note de musique dans la carte. Et après, vous avez la synchronisation qui permet de découvrir les objets, vous avez des putes. C'est vrai? Non, ça a l'air, regarde. Non, ça c'est des courtisanes. Plus comme ça, tu vois. Ouais, mais j'avais pas dit prostituées. C'est des plus durs, c'est des plus durs. Ouais, mais j'avais pas dit prostituées. C'est des courtisanes quelque part. Non, tu veux pas. Mais il est rouge. Ouais, de toute façon, non. Mais pourquoi je peux pas? Parce que. Il est pas beau! C'est pas encore l'heure. C'est pas se raser. Ouais, mais après, vous t'as plein de boutiques, t'as des trucs améliorés. Bon, lui, c'est un gueux, armes, je veux le tuer, le gueux. T'as des missions secondaires aussi, t'as plein de trucs, enfin bref. D'accord. Disons que ce jeu est assez bien. Complet. Par contre, je trouve que ouais, notre commentaire n'est pas super complet là pour le coup. Bah oui, mais malheureusement, c'est un jeu très complet et. Et très loin d'être complet d'ailleurs, même, il n'y a rien montré, mais bon, voilà. On a montré. on n'a rien montré, mais il y a quand même un petit peu. Voilà. En même temps, c'est malheureusement, c'est ça de jouer dans un jeu open world. On pourra pas tout montrer. Hello to you, your big breast. Oh là, t'es dégueulasse. Au moins, on a montré la transition entre. Justement, t'as un magasin du doigt. D'accord. Au moins, on a montré la transition et je pense que c'est assez important. Mais malheureusement, on pourra pas tout vous montrer. Non, du coup, peut-être que tu peux rater quelques petites vidéos dessus. Tu l'as fini à 100% platine, donc c'est cool ça. Ouais. Donc, c'est une très bonne nouvelle, hein, puisque c'est un très bon jeu et j'espère que. J'espère que vous avez passé un bon moment, avec moi toujours. Hein. Avec moi, tout le monde passe un bon moment. Négociation et mentionné. Et donc, on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Ouais. Un dernier mot. Barba papa. D'accord, moi ça sera Shogaki. Ouais. À très bientôt tout le monde. Salut. Salut.